J'ai une passion dans la vie, c'est la gym. Et je vais tout faire pour vous la communiquer. Bonjour, je suis Davina. Je partage la même passion que Véronique, la gym. Mais pas n'importe quelle gym, la nôtre. Alors la nôtre, qu'est-ce que c'est? Un travail exécuté en quatre temps. Il y a d'abord un échauffement pour tout le corps. Ensuite, il y a un étirement des muscles en longueur. Ensuite, il y a un jogging. On va s'amuser, ça va être de la folie. Et puis, une relaxation finale pour vous détendre. Bien, maintenant vous avez une idée de ce que va être le cours. Nous allons nous retrouver tous les dimanches matins, travailler ensemble dans une ambiance super dynamique et tonifiante. Surtout n'hésitez pas à mettre le son très fort. Et n'ayez pas peur de vos premières courbatures car vous allez en avoir. Et gardez le rythme. Allez, on y va. Voilà, et bien, il faut que vous touchez au pied. En même temps que vous, ça fait facile. Respirez dans le rythme, ça vient tout seul. Ne cherchez pas à respirer. C'est que tout le monde doit le faire. Allez. Soulevez les chevilles. Et gaie, dynamique, allez. Ça, ça vous chauffe le muscle. Tout le corps travaille. Et on commence amusant quand même, hein. Allez. Dépêchez-vous. Poussez vos chaises. Et ça. Bon, allez-y. Quittez ce que vous êtes en train de faire et venez vite avec nous. C'est très très important cette période d'échauffement. Faut absolument pas vous la ratiez. Elle est complètement nécessaire pour vos muscles, pour vous assouplir, pour vous chauffer, surtout pour éviter que vous fassiez mal. Alors venez vite, 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 il n'y a pas de temps à perdre. Pointez les pieds. Et on court. Détendez vos muscles. Ah, vous arrêtez pas, vous, hein. Allez. Il fait ça, on vous a du temps. Obligatoire de faire. On change, vas-y. Une petite balle qui a tourné. Respirez dans le rythme. Oui, c'est ça. Et on mesure. Est-ce que vous vous êtes bien chauffé? J'espère que tout le monde l'a fait, hein. C'est très très important, étant donné qu'on va démarrer tous les cours par cet échauffement qui est une super préparation aux exercices qui vont suivre. Alors, en l'occurrence, ce sont les exercices au sol, donc tout le monde s'assied. Voilà. Faites bien comme nous toujours, hein. Vous copiez tout ce que vous pouvez. Alors, premier exercice, souplesse du dos. Attention, parce qu'avec Davina, on va vous le répéter sans arrêt, dos plat. Regardez ici. Toujours, toujours, toujours. Vous allez le muscler et apprendre à le tenir. Alors, on va descendre un peu comme ça en avant avec les jambes tirées, des pieds pointés, des cuisses tendues. Et ensuite, on va faire avec des pieds flex pour que ça vous tire et que ça vous allonge ici, sous les cuisses et sous les mollets. Et il va falloir progresser et essayer d'aller de plus en plus bas en pensant toujours à ce dos là. D'accord? Alors, on va faire des séries, on va aller plus vite. Mais vraiment, après vos têtes, sur les jambes. Et ça, c'est un super, super. Deuxième mouvement est un mouvement qui est dans la continuité des mouvements de Véronique. Donc on monte toujours son dos, on s'étire, on s'allonge, on allonge bien ses jambes et on replie le genou droit, pas trop replié, juste un petit peu. Bien. On le garde bien droit, on ne l'ouvre pas surtout. Et on pousse en avant. On allonge, on tire ses bras en avant. Bien. Et on s'imagine ici, dans le creux des reins, qu'il n'y a justement pas un creux, mais qu'il reste bien droit et qu'une main invisible vous pousse dessus. La main invisible vous pousse sur les reins et le haut de la poitrine vous montez, ce qui vous permet de tenir un dos très très plat. Et vous
vos bras. Et vous faites la même chose avec les deux jambes repliées. Attention pas ça. Mais vous, c'est vrai. Alors, on va voir le troisième mouvement qui fait travailler l'intérieur des cuisses. Alors, une jambe au sol tendue, le dos toujours plat comme on vous l'a dit, un pied pointé. Il va falloir, sans donner d'un coup et sans bouger dans le buste, lever la pointe du pied, taper ici et taper de l'autre côté. Au bout d'un petit moment, vous allez le sentir sous la cuisse. C'est ce qui, normalement, on va vous faire travailler l'intérieur des cuisses, l'extérieur, avec une jambe de terre toujours tendue, tendue, tendue. Alors, ça va faire ça. Et on va le faire en série. Après, quand on va le faire dans la vitesse, vous allez le sentir. Là, je vous le montre en détail. Ça, c'est pas beau, ça sert à rien. Donc, tirez. Faire des muscles longs, longs, longs et longs. Ok ? Maintenant, on ramène sa jambe droite à l'extérieur de sa jambe gauche. On prend sa cheville et on pousse le plus près possible cette jambe droite de son buste. Bien. On lâche les bras et on lève par petit levé, par petit montée de jambe, la jambe gauche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le dos a tendance, comme on fait un effort avec la jambe, à s'affaisser et à être tourné. Alors, on pense bien à son dos, on sort le buste de la taille, on tire ses bras en avant, et de cette manière, on a beaucoup plus de facilité pour lever la jambe. Voilà, le mouvement s'exécute plus facilement. C'est ça, la même chose de l'autre jambe. Attention au dos, ça c'est essentiel et très important. Montez-vous, tirez-vous, allongez-vous. Voilà, ça c'est bien, ça commence à être bien. Maintenant, il faut que vous le fassiez avec nous et dans ce rythme surtout. Allez-y, mettez toute votre énergie et on va y aller maintenant pendant 5 minutes les mêmes mouvements. Allez, énergique, dans le rythme, faites ce qu'on fait, allez-y. Changez, pointez bien comme on fait. Changez, et 1, 2, 3, 4 encore, et 1, tirez sur la jambe qui est au sol. Changez, on change, 2, 3, 4, allongez, 1, 2, 3, 4, allongez, 1, 2, ah oui, la fois est un petit peu plus vite, allongez, 1, 2, voilà. Regarde les mains au sol, 2, 3,
rechange. 1, 2, 3, 4, on rechange. 1, 2, c'est au moment du changement où il faut aller vite. Et 1, voilà, 2, 3, 4, on enchaîne. 1, allez, de plus en plus par maintenant. On attaque la deuxième partie debout maintenant. Alors, ça va vous sembler difficile, mais en fait, vous savez, ça ne l'est pas. On a fait des mouvements qui vont vous faire travailler tout le corps, des chevilles au haut du cou, c'est le cas de le dire, mais d'une façon assez facile et qui, pour vous, va vous sembler le bout du monde. Alors, on y va, hein. Suivez bien tout. Debout, montez bien le dos, tendez les cuisses, tendez les genoux et ouvrez un petit peu les pieds. Et on va faire des souplesses en descendant au maximum sans avoir à lever les talons. Il faut que les cuisses tirent ici, derrière et les mollets. Et le buste surtout, ce buste, toujours le maintenir bien bien droit. Voilà, alors là, ça vous fait travailler les cuisses, les chevilles. Voilà. Et maintenant, du plié, on va tendre ses genoux, les cuisses, et on va remonter comme ça. Mais il faut terriblement tendre ici les cuisses sans vous laisser partir en avant, ce que vous allez être tenté de faire. Alors, résistez et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Maintenant, on va se construire de très jolies épaules avec les mouvements suivants. On monte une épaule, l'épaule droite, à son oreille. Seulement l'épaule, rien d'autre ne bouge que l'épaule. On fait la même chose avec l'épaule gauche. Ensuite, la même chose avec les deux épaules. Et quand on descend les bras, on a l'impression qu'on a des poids de je ne sais combien de tonnes qui pèsent sur les épaules. Ensuite, on fait la même chose en pliant. Même chose de l'autre épaule, en pliant et en poussant bien sur ses talons. Et ensuite, la même chose avec ses deux épaules. Très important, seulement bouge les épaules et quand les jambes se plient. Mais tout le buste reste allongé et tendu. Puis on va voir le troisième exercice qui, lui, va terriblement nous faire travailler le buste et la taille. Alors, on ouvre ses pieds, d'accord? On va pousser ici. Les bras d'abord sont tendus. On va pousser l'épaule en gardant la tête fixe le plus possible que vous pourrez sur le côté. Pensez que vos deux hanches, elles ne doivent pas bouger. La pointe des hanches reste droite. On va faire la même chose avec l'autre épaule. On tire, on résiste ici et on tire là. Faites-vous des petits dessins dans la tête. On pousse la hanche là, on pousse l'épaule. Ensuite, on va les enchaîner. C'est-à-dire qu'on va là très loin et là très loin. Et là, le plus loin possible, en gardant la tête comme ça. Et dans quelques temps, vous allez avoir des toutes petites tailles. On enchaîne avec des mouvements de souplesse, mais toujours en gardant ses jambes le plus possible étirées et allongées. On pivote le buste sur la droite, on étire ses deux bras en arrière et on pousse son buste en avant sur le côté droit. On donne quatre coups dirigés vers le bas, mais pas trop bas, seulement à ce niveau-là. Ensuite, on revient droite, on fait la même chose à gauche, en étirant toujours ses deux bras très très loin derrière soi. Et la même chose en avant. Et ici, attention, parce qu'il y a un problème de poids du corps. Il ne faut pas pousser vos fesses en arrière, il faut au contraire les ramener le plus possible droit. Il faut avoir votre poids du corps presque en avant de vous. Et on pousse en avant. Alors, à droite, à gauche et en avant, ok? Bon, maintenant, pas question de vous relâcher ou de vous décourager. Vous êtes débutant et ces mouvements sont faits absolument pour vous. Alors, avec nous, dans le rythme, tous les enchaînements pendant 5 minutes. Allez!
Ça, c'est tout dans la souplesse. Hein. Laissez le buste bien droit et souple. Ne décollez pas les talons. Voilà. Maintenant, tirez bien sur le buste. Allongez les cuisses. Voilà, ça c'est parfait. Souple, souple, souple. Tirez, allongez, montez le dos en même temps. Ne laissez pas les épaules trop hautes. Voilà. Voilà, ça c'est très très bien. Maintenant, montez-vous, dos bien plat, tirez, allongez vos bras. Allongez-les bien, ça vous donne un équilibre. Tirez, tirez, tirez sur vos bras. Montez le plus haut possible vos épaules. Ça, ça vous verrit tout le haut du dos. Voilà, restez bien droit, ne vous laissez pas tomber. Et regardez-nous, copiez, copiez. Voilà. Restez bien, gardez la tête, tendez les genoux surtout. Voilà. Voilà, c'était très bien. Voilà, souple, souple, montez-vous. Tendez les bras de chaque côté. Que seulement l'épaule bouge. Quatre, changez d'épaule. Deux, trois, quatre, les deux ensemble. Deux, trois, quatre, encore et un. Deux, prenez des kilomètres de hauteur. Quatre, et on plie. Deux, allez dans le rythme. Quatre, on change d'épaule. Deux, trois, quatre, les deux ensemble. Deux, montez le cou. Trois, quatre, encore et un. Deux, trois, quatre, encore une fois. Deux, sans oublier de plier comme moi. Quatre et un, mais je vous ai vu, vous avez bien suivi. Trois, quatre, les deux ensemble. Deux, trois, quatre, une dernière fois. Deux, trois, quatre, le but est un. Deux, n'oubliez pas de garder la tête fixe, voilà. C'est le moment de folie, c'est le moment où on se défoule, on y va à fond. C'est le jogging. Allez, avec la musique, on y va. Changer. Tirez loin. Loin, 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 loin.
lâcher. Tirez. Descendez les épaules. Et lâchez. La tête. Le corps. Et remontez doucement. Dos rond. Doucement. Porté par la musique. Et on passe à droite. Plie la taille le plus possible, le plus loin possible. Et on lâche la tête. Plus doucement. Et on remonte au dos rond. Rond le dos rond, rentre l'estomac. Lâchez sur le côté, tirez, respirez, et lâchez. Et descendez comme ça, dos plat, doucement, doucement, et montez dos rond. Et appuyez sur le dos. Bravo. Je pense que vous allez avoir des courbatures, alors ne vous inquiétez pas surtout. Puis si vous avez plein de questions à nous poser, écrivez-nous. Voilà, Véronique a raison, écrivez-nous. Nous attendons vos lettres et nous répondrons à toutes sans exception. Exactement. À dimanche. Au revoir. À dimanche, au revoir.